Yo les potos, ici Keke Spanite, mais vous me connaissez plus sous le nom de The Pokémon Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA, mais en même temps c'est une vidéo explication. Comme quoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai plus la chaîne The Pokémon Keke et que maintenant j'ai la chaîne Keke Spanite. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous comprendrez pourquoi je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, en gros je vais vous expliquer entre autres pourquoi j'ai plus mon ancienne chaîne et que maintenant j'ai ma nouvelle chaîne. Donc c'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc pour commencer, bon excusez-moi si je fais un peu du n'importe quoi dans GTA hein. C'est en attendant que je vous explique, voilà, je vais pas faire de mission ni rien dans GTA. Voilà, je vais faire un peu le tour de la ville, je vais me balader, voilà, tranquille au calme. Donc voilà. Donc l'histoire que j'ai pu la chaîne The Pokémon Keke s'est passée vers fin avril 2019. À cause d'une personne que je ne citerai pas le nom. Parce que voilà, j'ai pas envie de citer le nom de la personne parce que ce n'est pas du tout mon but de citer le nom de la personne et après qu'il y a des gens qui viennent l'insulter gratuitement sur les réseaux ou sur sa chaîne. Et c'est pas du tout mon but de dire qui c'est et après d'aller dire à des gens ouais allez l'insulter sur sa chaîne ou sur les réseaux. Non, c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout mon délire hein. Donc voilà, l'histoire s'est passée vers fin avril 2019, maintenant on est en 2020. Voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne. Maintenant on se concentre que sur l'avenir. Maintenant, comme on dit, le passé c'est le passé. Donc maintenant l'avenir c'est Keke Spanite. Voilà, on oublie The Pokémon Keke, maintenant c'est Keke Spanite. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire tout simplement. Donc et la chaîne Keke Spanite, je l'ai créée le 18 octobre 2019. Et puis donc au début bah, quand j'ai commencé à créer cette chaîne, et bah j'étais pas très chaud pour reprendre les vidéos et live. Je voulais juste utiliser bah, pour parler dans les commentaires des vidéos des youtubeurs que je suis, pour les likes, parler dans les lives aussi. Donc voilà, au début j'avais dit que j'utiliserais juste pour ça. Et au final bah, je pense que je vais reprendre les vidéos et live parce que j'ai tellement de monde qui me réclame. Qui attendent mon retour des lives, retour des vidéos. Il y a plein de gens qui me disent ouais, Keke fait un live, Keke fait un live, Keke fait un live. Presque tout le jour, voilà, on me le demande. Et à chaque fois, je dis ouais, bientôt, ouais, faut que je réfléchisse encore un peu parce que, comme je dis dans mon à propos, il y aura peut-être le retour des vidéos et live, mais il faut que je réfléchisse encore un peu. Donc voilà, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça embête, mais que pour l'instant et bah, que comme vous pouvez le voir, et bah, j'ai bah il y a comment bah, j'avais commencé à mettre bah, mon logo, ma bannière, voilà, j'ai fait mon à propos, j'ai fait ma sélection de chaîne, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait, il n'y a plus qu'à envoyer les vidéos et live. Donc voilà, bon après c'est gentil de la part des gens qui me réclament pour les lives, les vidéos, ça c'est gentil de leur part, ça fait très très plaisir au contraire, et ça se voit qu'ils sont là pour me soutenir, ils sont là pour me donner de la force, et je suis très content. Au moins ça fait plaisir de voir des gens qui soutiennent comme ça, que j'aurais jamais pensé que j'aurais autant de monde qui me soutienne comme ça et qui me donnerait de la force. Franchement, c'est vraiment un truc de ouf, et tous ces gens-là, je les remercie énormément, quoi. Voilà. Attendez que je fasse choper la voiture parce que putain, je cours derrière. Hop, 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 voilà. C'est pas mieux que de courir. Voilà. Voilà, merci, au revoir.
Donc là, donc après, il y a plein de poteaux aussi que bah, je dirais pas les pseudos, mais je pense qu'ils se rencontrent, ils vont se reconnaître dans cette vidéo. Et il y a plein de poteaux, plein d'abonnés que je remercie énormément parce que franchement, ça joue, ils sont là pour me soutenir. Je vous dis, tous les jours, ils sont là pour me réclamer les lives, les vidéos. C'est quand tu reprends les lives, les vidéos, quelqu'un fait un live. Franchement, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. C'est, j'aurais jamais pensé. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais jamais pensé que j'aurais des gens qui seront là pour me donner de la force. C'est un truc de ouf. Et ça se voit qu'ils m'apprécient énormément, quoi. Que ça se voit que je suis bien vu sur Internet et que c'est vrai. Je suis sympa avec tout le monde. Je suis gentil. Je veux de mal à personne. Voilà quoi, si je reprends les vidéos et live, et bah c'est comme avant. Moi je suis là pour vous divertir. Voilà, on est là, on rigole. Voilà, je suis là pour vous divertir. Je suis en gros, je suis comme tous les autres youtubeurs, quoi. La plupart des youtubeurs, c'est ça, comme ils font des vidéos, des lives pour leur abonné. Voilà, ils sont là pour. On est là pour vous faire passer le temps, vous divertir. On essaie de. Que tout se passe bien. Dans le calme, dans la bonne humeur. Voilà, quoi. Donc, moi je suis pareil. Je veux de mal à personne. Je suis là pour vous divertir. Et puis voilà, quoi. Que dire de plus? Que dire de plus? Donc voilà. Voilà. Et je voulais rajouter aussi. Ouais, j'ai failli oublier. Maintenant qu'on est en 2020, maintenant ça fait depuis le 12 avril là 2020 que ça fait 3 ans. Depuis le 12 avril 2020, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Alors que ça passe. Hein. 3 ans sur YouTube, ouais, parce que la première chaîne The Pokémon Cliquet, je l'avais créée le 12 avril 2017, et maintenant que 12 avril 2020 est bien dépassé, bah ça fait 3 ans. Franchement, c'est énorme. Alors, la chaîne Cliquet Planète est toute nouvelle depuis le 18 octobre 2019, mais moi je suis pas nouveau sur YouTube, je suis nouveau, comme je viens de vous le dire, je suis nouveau depuis avril 2017. Donc c'est pour ça que maintenant ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Donc franchement c'est. Le temps passe. Hein. Le temps passe, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Bon, et ouais, je vais vous rajouter aussi un truc. Pour ceux qui comprennent pas les initiales MPG, parce que comme il y a certains qui a pu le voir, bon ceux qui connaissent, hein, ils savent déjà ce que ça veut dire MPG, mais ceux qui connaissent pas, et bah, comme j'ai rajouté MPG devant mon pseudo KekespaNight, en fait MPG ça veut dire ma petite gueule. Et vous avez pu le voir aussi dans à propos, je lis dans mon à propos aussi que MPG ça veut dire ma petite gueule. Et pourquoi ma petite gueule, vous avez vite comprendre. Pour ceux qui connaissent J'étais abruti, il a créé une team, c'est la team MPG, donc ma petite gueule. Puis c'est ben, sa force que bah que des fois bah il lui dit pas bah, méchamment, hein, il lui dit comme ça gentiment. Et bah il y a des fois il dit ma petite gueule, puis à force de le dire, voilà, il a créé la team MPG, donc on a abrégé qui lui dit ma petite gueule, et puis bah voilà quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu rajouter MPG pour montrer que je fais partie de la team MPG. Et voilà, comme certains sur les lives à abrutis, pour ceux qui connaissent J'étais abruti, ben, il y en a beaucoup qui ont mis MPG devant leur pseudo pour montrer qu'ils font partie de la team MPG, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas J'étais abruti, je mettrai le lien dans la description. Je mettrai le lien dans la description. Je mettrai aussi le lien, la description, le lien d'un pote, un jet abruti qui est maintenant aussi mon pote, Vedusrime.
Si vous, comme ça, si vous connaissez pas sa chaîne, et bah, il y aura le lien aussi dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir sa chaîne. Il fait beaucoup de vidéos rap. Et c'est lui qui fait tout. Et il fait souvent des lives sur Fortnite et tout. Donc, franchement, il est très très sympa. Comme ça, si vous connaissez pas, bah. Vous connaissez les bails, que ce soit le lien de Jout Abruti ou le lien de Vedus Rhyme, et bah vous cliquerez directement sur le lien et ça vous emmènera tout droit à leur chaîne. Et puis voilà, ouais, puis comme ça après s'il y en a qui connaissent pas, bah, si leur contenu vous plaît, et bah voilà, bah, je vous invite à vous abonner, hein, et puis Ouais, c'est ça. à cliquer sur la petite cloche pour toutes les vidéos et likes, comme ça vous recevrez toutes les notifs dès qu'il y a une vidéo qui sort de leur chaîne ou un live, et puis bah voilà, hein. Voilà, et puis pour ceux qui me découvrent moi et qui me connaissent pas encore, bon bah si mon contenu vous plaît, bon bah je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la petite cloche pour tout, comme ça vous recevrez les notifs pour tous les vidéos live. Et puis n'oubliez pas de liker, hein, c'est très très important. Et puis voilà quoi. Et avant de terminer cette vidéo, dans les commentaires ou sur les lives, s'il y en a qui me posent la question, ouais, quand, la personne qui t'a fait perdre ta chaîne de Pokémon Keke, comment qu'elle a fait, c'est quoi son pseudo. Enfin, si vous me posez ce genre de questions, je ne répondrai pas, les gars. Je ne répondrai pas. Parce que voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, pardon. Et c'est pas du tout mon but d'envoyer des gens, d'aller critiquer ou insulter. Ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout mon délire, donc c'est pour ça que je préfère rien dire. Je préfère rien dire, voilà, je vous ai juste dit ce qui s'était passé, je vous ai juste dit que c'était à cause d'une personne, mais je vous dirai pas qui, et je vous dirai pas comment qu'elle a fait. Donc voilà, c'est ça, de me poser ce genre de questions, ma seule réponse, ce sera désolé, mais je vous répondrai pas. Voilà. Voilà, bon bah je crois que tout était dit. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, hein, je m'excuse, dans GTA, pardon. Dans GTA, voilà, j'ai pas fait de mission ni rien. Voilà, en gros, je me balade tranquille, pépère. Voilà, c'est en attendant que je vous explique, voilà, sur GTA. Et puis, voilà quoi. Bon, sur ce, bah, j'espère que la nouvelle chaîne Kick Planet vous plaira. Ouais, et puis je vais rajouter encore un petit truc. Ouais, puis sur l'ancienne chaîne The Pokémon Keke, j'étais quand même à plus de 665 abonnés. Et là, bah, si ça va vite pour que je puisse les rattraper ou les avoir à nouveau, bah, tant mieux. Et sinon, si ça met du temps, ça met genre un mois, 2 mois ou beaucoup plus que ça, bah, c'est pas grave, les gars, vous inquiétez pas, on a le temps. Hein. J'ai le temps, hein, je suis pas pressé. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Et puis bah voilà quoi. Voilà, l'essentiel c'est que mon contenu vous plaît. Et que ceux qui me connaissent pas encore, bah qui me découvrent. Et puis j'espère que mais pour ceux qui me découvrent, bah, que le contenu vous plaira. Et puis bah voilà. Voilà. Bon, sur ce, c'était Keke Spanite. Je vous dis à plus pour d'autres nouvelles vidéos, prochain live. Et sur ce, je vous dis tchuss tchuss les potos.